vous partagez. Pompez le cœur pour le Niger. Poua. Aïe. Poua. Poua. On pompe le cœur. Poua. Aïe. Poua. Poua. On pompe le cœur. Poua. Aïe. Poua. Poua. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. 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 Bien. Quel que soit le nombre de partages, je vais quand même parler parce que nous sommes presque à 500 personnes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui êtes comme vous qui êtes connectées et aux personnes qui vont regarder plus tard. Chers camarades, les militaires au Niger subissent des pressions intérieures. Je vous dis que cette France de Macron veut passer par tous les moyens. Même s'il faut distribuer l'argent aux Nigériens pour aller contre Tiani. Il y a déjà des personnes qui sont en train de faire des choses, qui sont en train de déjà prendre des biens, des choses, des gens pour faire des pressions au sein même du Niger. Je dis, je ne donne pas de détails en tant que tel. Mais je vais vous filer l'information. Les gens sont rentrés. Maintenant, au sein même du Niger, ce n'est plus CDAO. Ce n'est plus quoi. C'est eux-mêmes, au sein même des militaires. Et je pense que les militaires doivent commencer à déplacer leurs familles. Parce que selon cette information, ils peuvent aller attaquer, ils peuvent aller prendre, faire des enlèvements. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Il faut la partager. Jusqu'à ce que ça arrive même au Niger. S'il y a des Nigériens ici, partagez dans vos groupes là-bas. Par exemple, il n'y a pas de groupe nigérien dans mon truc. Après, c'est pas comment on cherche le groupe pour s'abonner. Je n'aime pas assez de groupe politique. Partagez. Parce qu'ils sont commencés par les biens. Après les biens, si les gens tiennent, je suis sûr que demain le communiqué, s'il y a un communiqué numéro 29, vous allez voir qu'ils vont brosser ça. C'est vraiment le patriote qui parle. Ou bien soit pour leur honneur, ils vont peut-être camoufler ça. Et puis ils vont souffrir en silence. Parce que c'est ça aussi le leadership. Un leader, c'est celui qui souffre en silence. Personne ne sait ce que je traverse par rapport à tout ce que j'ai fait. Personne ne sait. Et jamais je vais donner des détails dessus. Parce que ça peut m'affaiblir. Vous voyez, non? Voilà. Jamais je vais donner aucun détail. Quel que soit ce qui va arriver. Je mettrai ma caméra, je parlerai comme s'il n'y a rien. Tant que je serai dans cette maison-là, je parlerai. Tant que j'aurai mon internet, je parlerai. Tant que j'aurai la voix et la force du Père, je parlerai. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui ôte la vie. Tant qu'il me donne la force, tant qu'il me permet de me réveiller chaque matin, je parlerai. C'est ça un leader aussi. Chers camarades, je veux revenir dans... Pourquoi c'est noir comme ça même? C'est noir. J'ai changé maintenant de téléphone. Je prends un autre téléphone maintenant. C'est avec ça là, il faisait mes directs. Je veux réitérer. Il y a combien de partages, s'il vous plaît? Parce que vous êtes déjà presque 700. 700 personnes. En moins de 10 minutes, non, je crois. Oui, on est à 7 minutes. 8 minutes. Vous êtes 677. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut la partager. Voilà. On n'est même pas quoi à 100. Vous êtes 694, 698. Pourquoi c'est si difficile pour vous de partager? Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plus de 3 minutes que je dis partager. Quand on regarde, mais regardez en bas, il y a partage, cliquez dessus, choisissez deux groupes, mettez dans deux groupes. Si chacun met dans deux groupes, on a déjà dépassé 1000, puisque vous êtes 700. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Ça me tient à cœur. Les autorités militaires du Niger, regardez, ils ont déplacé mon écran, vous voyez? Vous voyez, mon écran est venu sur un côté. Vous voyez? Vous voyez, ils sont dans le direct. Voilà. Et je ne sais pas quels sont ces Indiens que les gens sont allés acheter pour venir me fatiguer. Mais c'est les Indiens qui sont forts dans les choses comme ça. Les Indiens et les Russes, ils sont très forts en informatique. Vous voyez? À ce moment-là, je fais direct là. Mon écran est sur un côté, puis l'autre côté est noir. Du jamais vu. Je vais prendre photo et puis je vais poster la photo après. Je vais prendre photo. Comme ça, vous allez me croire. Parce que je ne sais pas comment je vais montrer. Donc, je vais prendre photo et puis je vais poster la photo, vous allez voir. C'est-à-dire le direct se passe sur un côté. Et puis l'autre côté est noir. Ils sont assis dans le direct. Tout à l'heure, c'est devenu comme ça. Et c'est resté comme ça actuellement. Dans vos cœurs, là, ça passe dans la barre noire. Là.
et puis mon image est sur un côté. Facebook ne fait jamais ça. Les gens sont assis dans mon téléphone. Parce qu'ils savent que le petit là, il est en contact avec quelqu'un. Le petit là, il a une soussure. Donc, quels que soient les gens qui vont éternuer, quel que soit le secret des secrets, le petit est capable de venir dire ça aux Africains. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les vues montent. Tout à l'heure, quand j'ai fini le direct, dès que j'ai fini le direct, 30 000 vues. Dès que j'ai fini le direct, dès que j'ai coupé, 30 000 vues couchées. Mais on est dépassé même à 2 000 personnes. Hein. Ça veut dire qu'il y avait au moins 5 000 personnes, mais ils ont bloqué le nombre, la numérisation. Le nombre qui doit s'afficher là, eux, ils bloquent ça à un niveau. Vous voyez, non? Donc, en réalité, il y a plus de ça. Il y a plus que ça en ligne. Mais moi, je peux voir 2000 ou même 1500. Sinon, quand même, 2000, 1500 personnes en ligne. Et puis, dès que tu coupes, il y a 30 000. Dès que 2 heures passent, je suis dans 50 000, 60 000. Non, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes en ligne. Vous voyez, non? Parce que c'est le nombre de vues en direct là que les gens comptabilisent et puis te donnent le vue en bas de la vidéo dès que tu coupes. Je ne suis pas sot. Et c'est un monsieur qui m'a dit, mon petit, il ne faut pas regarder le nombre là. Il y a des gens qui sont en ligne, mais tu ne peux pas voir. Ils ont cloné, on clone tes directs. C'est comme les caméras, on peut cloner la caméra. Tu penses que la caméra regarde, hein? Attends, c'est la même image qui défile. On clone. C'est ce qu'ils me font. Partagez le direct. Je vais réitérer, parce qu'on est presque à 1000. Donc, je vais réitérer l'information encore. Elle est très courte. Les gens, hey, regardez, 149 partages. Vous êtes 924. Je ne sais pas, hey, vraiment. Hey, partagez le live là. Après, il y a les gens qui vont venir en bas pour dire, oh, faut parler, oh, faut laisser partager, partager. Mais comment de laisser partager? Tous ceux qui vont dire ça, je vais les bloquer. Je préviens en même temps. Parce qu'au lieu de partager, c'est eux qui viennent pour dire, non, faut laisser partager là, faut parler. Oh. Mais si vous ne partagez pas, comment ça va arriver loin? Il faut que des Nigériens soient au courant. Peut-être eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Puisque rien ne prouve que ma source là, elle est parmi eux. Vous ne savez pas d'où ma source m'écrit. Je suis très fatigué. C'est mon troisième live. Je suis très fatigué. Et je dois aller au cours. Et j'ai été au cours. Je ne suis pas là pour faire. Ce n'est pas des vues, je cherche. Si au moins on dit, il cherche une vue, là il va chercher buzz. Je ne cherche pas des vues. Si c'est vu là, j'ai déjà ça. Par la grâce de Dieu. Donc quand je dis quelque chose, c'est que ce n'est pas du jeu. Je réitère. Je dis que les militaires, les gens ont déjà commencé, entre eux, hein, ils ont déjà commencé à prendre les biens, les trucs, pour faire pression. Sans donner trop de détails. Quel genre de bien, quel genre de quoi. Ils ont commencé à faire pression sur eux en se servant des durs du pays. Soit les lobbies, soit les je ne sais pas qui, chers camarades. Quand je serai bien imprégné, je vais venir vous parler. Le communiqué numéro 29, prêtez très attention à ce communiqué. Les gens risquent de brosser selon mais de parler en parabole. C'est Herman qui parle. Le patriote. Aujourd'hui est le 15 août 2023. Le prochain communiqué, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans une semaine. Le prochain communiqué, écoutez très bien ce qui sera dit. Peut-être qu'ils vont brosser. Ou bien, à cause de leur dignité, à cause, parce qu'un chef doit souffrir en silence. Ce n'est pas tout on dit. Donc, peut-être qu'ils ne vont pas parler de ça. Parce que la lutte est plus importante que la pression, les pressions personnelles. Mais moi, déjà, je donne le son. Les gens-là sont en train de subir des pressions. Et je suis en train de dire, partager la vidéo pour qu'ils puissent déplacer leurs familles respectives. S'ils habitaient dans un quartier X, ils doivent déménager pour aller dans un quartier Y. Eux-mêmes d'abord. Ils doivent déménager leur famille. S'il faut envoyer certains membres de leur famille au Mali pour les protéger, ils n'ont qu'à faire. C'est ce que je propose. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tu parles mais tu ne proposes jamais. Et la personne n'a pas tort. C'est ce que je propose. Parce que si les biens ne peuvent pas leur faire changer d'avis, ils sont capables maintenant de le faire comme dans les films là, les enlèvements. Et filmer avec des couteaux dans la gorge. Mais maintenant, je dis maintenant lui à la place de là. Tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que j'ai dit la photo et le photo. Non, la drapeau. Moi, je suis étonné. Tiens, j'ai dit la drapeau. Beaucoup ont dit non, on ne dit pas la drapeau, on dit le drapeau. Et quand tu m'écoutes là, je dis lui à la place de là. Mais ce n'est pas facile. Parler devant 2000, 3000 personnes pendant que les commentaires montent vite et puis tu fais l'effort de lire et puis les gens t'insultent. Tu essaies de retenir les noms de ceux qui t'insultent pour les bloquer. Ce n'est pas facile. Hein?
C'est pourquoi souvent vous allez voir que je me trompe. Souvent, tout à l'heure, je me suis trompé, je me suis rattrapé. Parce que j'ai fait maintenant l'effort de parler doucement et de faire attention à ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas facile. Chers camarades, vous êtes plus de 1000 personnes. Je vais réactualiser la page. Vous voyez, 234, ça ne monte pas. Vous êtes 1100 personnes partagées. C'est juste la petite annonce que je voulais faire. Mais je vais faire durer un peu la vidéo pour vous demander de... Même ceux qui sont sur YouTube, partagez le lien de la vidéo dans vos groupes. Si vous faites partie d'un groupe WhatsApp, d'un groupe Facebook, prenez le lien de la vidéo sur YouTube là et envoyez ça dans un groupe, n'importe quel groupe. Il faut que les Africains sachent. Les leaders, peut-être qu'ils ne vont pas en parler. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui souffre en silence. En tout cas, moi, j'ai fait le chose, comment on appelle ça? J'ai fait l'école théologique. C'est le côté pastoral, mais on vous apprend la théologie en tant que telle. Vous comprenez un peu, non? Le leadership, si vous voulez. Donc, j'ai un peu quelques notions de celui qui est leader. C'est une chose qu'il doit avaler. Un vrai leader, c'est celui qui souffre ensemble. Donc, peut-être qu'ils ne vont jamais mentionner ça, mais en secret, c'est ce qu'ils subissent. Un exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être sa petite gare de voyage. Ou bien un car, un mini-car. On peut menacer la personne pour dire qu'on va brûler ton car. On va brûler ton immeuble. Des appels anonymes. Vous voyez maintenant, non? Des messages, des numéros inconnus. Pour les fatiguer. J'ai dit, les gens là subissent déjà des pressions au sein du Niger. Partagez-moi la vidéo. Puisque quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a son immeuble, qui n'a rien à voir avec la politique, il peut changer d'avis pour dire, on ne sait jamais. À cause d'un petit poste de ministre, mon immeuble de 500 millions que j'ai construit depuis, il a commencé à travailler, ils vont me brûler ça. Et ils ne savent pas qui envoie les messages, qui envoie les trucs. Des mails bizarres. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas dit c'est exactement ça, parce que c'est comme, je ne vais pas vous donner des détails. Mais c'est un exemple pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Et moi, je vais plus loin. J'ai dit, s'ils ont commencé à prendre cette pratique-là, ils sont capables de faire des enlèvements. Peut-être même cette France, ça peut utiliser même les gars, ils vont mettre cagoule, ils vont aller chez les gars là pour faire les enlèvements et pour faire des chantages. On me voit prendre Boula, Rissa Boula, Rissa Ag Boula. Ils vont les prendre pour aller enlever la famille des gens pour dire que, voilà, c'est mamie, c'est l'auto. J'ai reçu, je transmets. À chacun de faire ce qu'il veut de ça. Les leaders du Niger sont en train de subir des pressions intérieures. On ne sait pas qui est à la base. Je veux prévenir. C'est pourquoi je me suis fait appeler lanceur d'alerte. L'alerte, elle a de la valeur lorsque le truc n'est pas encore. Les faits ne sont pas encore là. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est la preuve que nous devons soutenir M. Tiani et son groupe. Parce que les gens veulent passer par tous les moyens. Ils veulent exploiter tous les moyens possibles pour plier les leaders et pour mettre Bazoum au pouvoir. Maintenant que les gens ont des preuves palpables, ils ont commencé à prendre d'autres choses intérieures. Ils ont commencé à faire entrer le verre à l'intérieur. Ils ont commencé à utiliser des propres Nigériens. Je vais dire à mes leaders, puisque ce sont aussi mes leaders, de tenir bon. Parce que si ça a fuité, c'est peut-être que à la présidence, les gens ont commencé à en parler. Et c'est là que mon informateur peut-être a reçu le son. Ou bien quelqu'un l'a appelé pour dire, voilà le son, il faut transmettre dans ton petit. Parce que mon informateur n'est même pas vers l'Afrique là-bas. Il n'est même pas là-bas. Pour vous donner un... Il n'est même pas là-bas. C'est un dur caché quelque part dans le monde. Chers camarades, il n'est même pas ici aux États-Unis aussi. Mais je suis sûr qu'il a des gars qui lui donnent des informations. Et il préfère me faire confiance. Peut-être parce qu'il aime mon affaire. Simplement. Et moi, j'aide les gens. Claire, chacun fait son Christ Yapi, si vous voulez. Mais je ne peux jamais faire Christ Yapi en protégeant un sorogium, comme le Christ Yapi le fait. Lui, tout le monde est mauvais, sauf sorogium. Ce n'est pas un bon Christ Yapi. Ce n'est pas un bon investi, un bon enquêteur. Il est nauséabond même pour l'Afrique. Parce qu'il y a d'autres qui sont mauvais, il y a d'autres qui sont bons. Non, ça ne marche pas comme ça. Le mauvais, on l'appelle mauvais. Le bon, on l'appelle bon. Partagez-moi cette vidéo.
Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Je vais actualiser encore. C'est... Ah, les gars. Ou bien, attends, c'est la tablette qui... Attends, je vais voir. C'est le nom... Quoi? 253 depuis là. Attends, non. Peut-être que c'est la tablette qui... Peut-être que c'est la tablette qui déconne. Attends, je vais voir. Oui, 200... Bon, ok. Merci beaucoup. C'est moi-même, j'aime les yeux. C'est moi-même, je me fatigue. J'avais toujours dit que j'allais faire préenregistrer. Mais c'est moi qui continue toujours dans les directs. Parce que préenregistrer, pour moi, c'est un long travail. Tu vas faire, tu vas encore faire le montage, tu vas mettre en ligne, ça prend le temps. Entends l'information pendant qu'elle est là, elle est chaude, il faut la balancer. Mais merci beaucoup. Vous m'avez dit, vous m'avez vraiment prouvé que je dois changer d'avis. Parce que vous étiez 1100 personnes. Depuis, je suis en train de crier partager. Partager. À la troisième minute, j'ai commencé à dire partager jusqu'à. On est 21 minutes. On est à la 20e minute. Vous me mettez 200 partages sur 1000 et quelques personnes. Merci beaucoup, chers camarades. Ce que je suis, je pense que l'information, je l'ai balancée. C'est ça le plus important pour moi.